Nous sommes en l'an 3500. Le monde a beaucoup changé. En l'an 3000, une guerre éclata. Une guerre mondiale. Ainsi commença notre histoire. Une triste histoire. Le 23 mars 3000, retentirent les canons du monde entier. Chapitre 1. Les cœurs de glace. En manque d'énergie fossile, une guerre fut déclenchée. Elle décima la population. Il ne pleuvait plus de l'eau, mais du feu. L'air était devenu irrespirable. L'eau n'était plus transparente. Le 16 juin 3150, les bombes nucléaires furent déclenchées. La radioactivité transforma les humains. La nature mourut. Animaux, plantes, il ne restait plus rien. Les humains s'équipèrent de machines filtrant l'air. Les âmes partirent, ne pouvant observer ce massacre. Elles s'exilèrent. Un exil sans espoir. Mais rien n'est jamais perdu. Chapitre 2. L'aile bleue. Hylas, gouverneur du ciel, prit part au conflit. Il donna des pouvoirs à une femme courageuse et digne. Femme nommée Lee. Avec, elle devra partir à la recherche d'un arbre. Le dernier au monde, dans lequel vit Gaïa elle-même. Un arbre magique. Sa quête sera de le retrouver afin de mettre fin à ce coup. Une noble quête. Alors elle traversa les océans, les fléaux et les déserts.
Puis un jour, elle tomba sur un château. Chapitre 3. Les paysages perdus. Entrant dans le château, elle regarda les lueurs tourner autour d'elle. Regardant de plus près les murs, elle vit des paysages se dessiner. Des paysages comme ils n'existaient plus aujourd'hui. Elle resta de longues heures à les contempler. Sans se rendre compte que derrière, des ombres s'approchaient. Chapitre 4. Le piège. Attaquée par des deux créatures, elle prit une épée qui apparut au sol. Monstre effrayant et sanguinaire. Il n'en arrivait de toute part, mais d'où venait-il ? Hardiment, elle les affronta. Tu
Certains ressemblaient presque à des humains. Les autres prirent la fuite. La mort les frappa. Chapitre 5. Le secret. Après avoir combattu, elle continua sa route dans le château, salle après salle. On percevait les bruits au loin. Sur les murs, les paysages s'étaient effacés. Le chemin se terminait dans une grotte, avec une porte au fond. Il faisait froid, un courant d'air passait légèrement. Il y avait sur les parois des dessins, faits probablement avec du sang. Des hommes y étaient représentés. Ils avaient l'air effrayés. Des monstres du sud-ouest s'animaient. En avait-il peur? Il n'avait pas peur de ça. Elle se rendit compte soudainement, lui blessant le cœur. Ces monstres n'étaient que des humains, transformés par le climat hostile de notre monde. J'étais venu ici pour prier, mes enfants. Elle finit par tomber sur l'arbre de Gaïa. Elle rencontra Mère Nature, cachée depuis si longtemps maintenant. Elle lui dit qu'aujourd'hui, je viendrai mettre fin à ce conflit. Cette pierre est notre dernière ressource. Elle détruira toute technologie sur ce monde. Malheureusement, il faudra se rendre en plein cœur de la société humaine, là où la guerre fait rage. C'est un sacrifice que je suis prête à courir, répondit Élise. Chapitre 6. Le sacrifice final. Notre héroïne arriva dans la ville
Elles furent repérées, l'alerte sonna. Mais elle n'était pas seule, Gaïa arriva derrière. Ils étaient des milliers. Mais nous avions la population. Celle-ci, nous voyant, se rebella. Sachant que peut-être, ce serait le dernier combat. Ils s'élancèrent avec férocité. Gaïa força le passage afin de pouvoir continuer. Pendant que les autres retenaient les trous. Mais leurs armes étaient puissantes. Des machines de guerre. Mais ils ne perdaient pas espoir. La ville se faisait ravager. Puis les avions arrivèrent. Et là, des bombes H furent lancées. Il était impossible de décrire ce massacre. L'une d'entre elles les frappa. L'île se retrouvera éloignée de Gaïa. Ramassant son épée au sol, elle pria Mermet, lui demandant contre sa vie de lui donner la force d'accomplir sa mission. Acceptant, il ne lui restait qu'une chose à faire. Elle reçut des balles. Des coups de toutes parts. Blessée et à bout de force, elle arriva à l'endroit et déclencha la pierre. Et soudain, chapitre 7. Un monde sans fin. Une lumière aussi brillante que le soleil vint frapper l'horizon. Les combats s'arrêtèrent, laissant place au calme d'une pluie. Gaïa vit le corps d'Élise au sol. Les machines ne fonctionnaient plus. Elle avait réussi. Elle laissa une larme sur sa joue. Puis ramassant la pierre, elle retourna dans la forêt. Tristement. Enfin...